Et la première journée de la Grande Région, c'est une invention du sommet de la Grande Région. Les chefs des exécutifs du sommet de la Grande Région ont décidé l'année dernière de fêter une fête populaire qui s'appelle Journée de la Grande Région pour approcher, pour transporter un peu cette idée de la Grande Région vers les gens. Ce sont les 25 ans des accords de Schengen. Donc il y a 25 ans, des accords ont été signés entre les pays de l'Europe. C'est vraiment, ça fait partie du point crucial de la construction de l'Europe, l'ouverture des frontières. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour fêter ces 25 ans-là, les trois pays qui sont dans la région, là, et qui s'embrassent ensemble, tous les trois, c'est-à-dire le Luxembourg, l'Allemagne et la France, ont décidé de fêter l'événement tous ensemble en produisant des événements sur différents sites. Donc en France, il y a plusieurs villages qui participent. Et puis ensuite, en face, nous avons Perle en Allemagne qui participe également. Et également Schengen, voilà, au Luxembourg. C'est une très très bonne initiative qui a été initiée par les Luxembourgeois, il faut le dire. Et la commune d'Apag a tout de suite adhéré à cette idée. Et il faut absolument la maintenir parce qu'il faut absolument montrer à la jeunesse que c'est une occasion de se rencontrer et de voir l'avantage de la construction de l'Europe. La Grande Région, c'est pour nous le bassin français, luxembourgeois et allemand. Et nous, la notion de Grande Région, c'est complètement concret parce que moi, tous les jours, je passe de l'Allemagne au Luxembourg en France, on ne s'aperçoit plus qu'il y a des frontières. On est plus rapprochés des Allemands et des Français que d'antan. Ça devrait être un apport culturel et politique, effectivement, une collaboration beaucoup plus grande entre les différentes parties. Hein. On voit avec le développement côté luxembourgeois du site de Belleval, qui doit avoir une répercussion également du côté d'Olintiche, site de Micheville et ainsi de suite. Donc je pense que la Grande Région peut avoir également un rôle à jouer dans ce domaine. Pour moi, personnellement, la Grande Région, c'est une pièce, c'est une partie de l'Europe des vécus, de l'Europe de tous les jours. C'est quelque chose qui est assez riche. La Grande Région, c'est la coopération entre la Sarre, la Lorraine, la Rhénanie-Palatina, le Luxembourg et la Wallonie. Aujourd'hui, on constate un grand pôle sur Paris, on constate un grand pôle sur Berlin, et entre, au fond, il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il faut absolument arriver à l'Europe des régions. Et la Grande Région, c'est exactement le cadre qu'il faut développer au point de vue culturel et surtout au point de vue connaissance de la langue du voisin. Si aujourd'hui on se comprend très bien ici aux frontières, c'est parce que nous parlons la même langue. Enfin, du moins la génération de moi-même, on parle la même langue. On parle le plat, c'est-à-dire le luxembourgeois, l'allemand, on se comprend très bien. Et c'est pour ça qu'on a réussi à avancer très rapidement dans l'entente transfrontalière qu'on connaît aujourd'hui ici à la frontière. Yeah.